Bonjour, soyez les bienvenus aux amours. Accueillons nos couples du jour. Il y a Caroline et Eric, la région Rhône-Alpes. Julie et Samuel, la Picardie. Et puis Julia et Jean-François, ce sont nos Lorrains du jour. C'est une main de velours dans un gant de velours. Le toujours très doux Bruno Guillon. Eh oui, bonjour. Waouh, cascade. Bienvenue sur le plateau des amours. Oui, c'est du sport. C'est mon seul moment de sport, c'est quand j'arrive du public. Merci le public pour ce chaleureux accueil. Merci Pascal. Merci à vous de nous accueillir chez vous comme chaque matin sur France 2. Et merci à Julia et Jeff d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Regardez comme ils sont mignons. Et alors petit, regardez petit. Oh, qu'ils sont choupis. Impression que la petite souris venait de... La petite souris venait de passer. C'est ça. Ouais. Elle était partie avec le chicot de devant, la petite souris. J'ai pas Julie et Samuel, bonjour, vous aussi. Vous aussi, on a de la photo de regarder comme ils sont mignons. On sent les photos posées de l'époque. Et puis, Eric et Caroline. Oh, j'aurais pu montrer des photos. Mais je ne vais pas le faire. Moi, je suis resté juste sur une anecdote vous concernant. C'est vrai qu'à chaque Toussaint, ils vous offrent des chrysanthèmes. Toujours, c'est ça. Moi, je trouve ça classe. Ça change. Ah ben ça, je vous confirme. Bon, vous l'avez vu, on va passer un très bon moment. On commence tout de suite avec la première manche. Allez, on y va avec la première question, Caroline. Selon lui, quelle est la plus mauvaise idée que vous avez eue depuis que vous le connaissez ? Ah ben, je crois qu'il y a un jour, il s'en rappelle bien, parce qu'en fait, moi, j'aime bien me déguiser. Ça, c'est une de mes premières passions. Mmh. Et donc, je l'emmène à un carnaval, le carnaval de Châlons, un carnaval bourguignon. C'est vraiment la tradition. D'où je suis originaire, donc je lui dis bah viens à Châlons, tu verras, tout le monde sera déguisé, ça va être une super fête, tout ça. Je lui ai trouvé un joli déguisement de poulet, donc oui. Un poulet de Bresse, bien voilà, quelque chose de bien local. Je crois qu'on a la photo du déguisement de poulet, c'est celui-ci. Ouais, ça ressemble à ça, voilà. Et ce jour-là, en fait, je crois qu'il m'a un peu maudit parce que les enfants, bah, c'est le joli poulet. Après, ils l'ont demandé de se mettre sur le boulevard, de battre des ailes, tout ça. Donc, c'était une belle attraction, mais il n'était pas bien à l'aise, quoi. D'accord. Voilà. Le déguisement de poulet le jour du carnaval de Châlons, ouais. C'est noté. Julie, comment vous avez rencontré votre chérie ? Au travail. C'est vrai, vous travaillez dans quoi ? Au casino. Ah, et donc, il a tout misé sur le rouge et hop, noir, impair et passe. Voilà. Vous étiez croupière ? Non, j'étais pas croupière, j'étais serveuse. D'accord. On ne servait pas dans le même restaurant, puisqu'il y a différents établissements dans le. Oui. Donc, et ça fait 8 ans que ça dure, avec 2 enfants depuis, c'est ça. Qui s'appellent comment ? Margot et Romy. Très bien, qu'on embrasse. Bravo. Alors, la plus mauvaise idée que vous ayez eue depuis que vous le connaissez, c'est quoi ? Je pense que c'est d'avoir voulu un chat, où il m'a dit oui. Et elle a fait des petits. Beaucoup ? 3, j'en ai placé un, mais pour mes enfants, j'en ai gardé et ils ne supportent pas les chats. Ah ! Un petit chat ! Voilà. Donc, 3 chats à la maison contre un bassin de carpe-coil. Contre un ? Bassin de carpe-coil. Ah, les carpes, c'est les gros poissons, les carpe-coil, voilà. C'est ça, ouais. Donc, il a accepté les chats et vous avez accepté les carpes. Voilà. D'accord. Donc, l'histoire des chats, c'est noté Julie. Julia ! Alors, en fait, moi, c'était il n'y a pas très longtemps. La mauvaise idée, c'était de faire une soirée dégustation de fruits exotiques. Mmh. Je me suis dit, parce qu'on a comme projet de faire un tour du monde, et c'était notre repas du soir, et c'était une grosse déception parce qu'on n'a pas du tout aimé. Bon, et donc ça a pas super marché, la soirée. Non, finalement, on s'est mangé 3 morceaux de fromage à raclette à 23h. Ça passait très bien. Comme quoi, il est mal barré, ce tour du monde, quand même. On y revient à la France. Deuxième question, Julie. Vous demandez à votre chéri s'il accepterait que vous empruntiez 5000 euros via le compte joint pour financer votre projet de lifting. Il va réagir comment, Julie ? Il tergiverse. Bah, on avait dit que cet hiver, on changeait la chaudière. Ou alors, il refuse. S'endetter pour jouer les bimbos, pas question. Ou alors, il vous nargue. Ouais, bah, profitez-en pour faire une liposuction aussi. Alors, Julie, on commence avec vous. Il réagit comment ? Ça coûte cher. Ah, il est près de ses sous un peu ? Oui, quand même. Ah. Un doigt pivot, 4 doigts râteaux.
C'est quoi cette expression ? C'est les Auvergnats. Un doigt pivot, quatre doigts râteaux. Ah donc pour ramener, je connaissais pas. J'adore. Donc il serait pas contre, hein. Mais ça coûte trop cher. D'accord. Donc c'est non. Donc ce serait il refuse, ouais. S'endetter pour jouer les bimbos, pas question. Bon. C'est noté. Julia. Je dirais aussi la deuxième. Il refuse ? Il refuserait. Mais plutôt parce qu'il penserait que j'en ai pas besoin. D'accord. Pas forcément à cause du montant, mais... J'espère qu'il va dire ça. Sinon... Si jamais il nous sort, profites-en aussi pour faire une liposuction. Je vous laisse finir l'émission, moi je m'en vais. Sinon, il partira faire un tour du monde, mais en solitaire. C'est ça. Caroline. Ouais, il n'est pas contrariant, donc il me dirait, bah voilà, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Hein, après, ce serait plutôt là. Après, il va le prendre sur le ton de la plaisanterie, plutôt la dernière, parce qu'il n'est pas près de son, ouais, il est pas près de son argent, il n'est pas. Donc, ouais, il va me dire, bon bah fais le tout quoi. C'est noté. Il vous nargue. Julia, troisième question. Quand vous êtes très en colère contre lui, votre compagnon vous fait penser à Gandhi, il plaide pour la réconciliation, ou bien à Vercingétorix, il lutte jusqu'à la capitulation, ou bien à Napoléon, il s'exile et quitte la maison. C'est Napoléon. C'est Napoléon ? Ouais. À Isbar ? Il est plutôt dans l'isolation et il dit plus rien, il se cache. Il est dans l'isolation, c'est la façon de vous engueuler, il pose du papier de verre, il met du double vitrage. Ouais, je suis dans l'isolation. Il est plutôt dans l'isolement. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Mais l'isolation, c'est bien aussi. Il y a des petits crédits là, gouvernementaux en ce moment, pas mal. Caroline ? Vous regardez, vous, la réconciliation. Non, voilà. Moi, je vous donne le papier, voilà. Hein, si vous avez c'est besoin. C'est plutôt voilà, la réconciliation. Hein, voilà, d'accord, voilà. Gandhi. Allez, plus ça. C'est Gandhi, très bien. Et vous, Julie ? Je pense qu'il s'en va aussi. Il s'en va ? Oui, je suis têtue. Napoléon ? Vous êtes têtue ? Oui, très. C'est vrai ? Oui. C'est qui tient les rênes un peu à la maison ? Moi. D'accord. Et bon, on va vérifier avec eux. Vos chéris reviennent. Jeff, selon vous, quelle est la plus mauvaise idée que votre femme a eue depuis que vous la connaissez ? Alors, j'hésite entre deux choses. Le fait qu'elle m'a acheté un lisseur à Noël. Un lisseur ? Un lisseur, ouais, pour mes cheveux. Ouais, pour mes cheveux. Donc, ça ou... C'est une bonne idée, hein, personnellement. Ben, c'est une bonne idée, mais pourquoi faire ? Il a 2 cm de cheveux. Ou alors, c'est que vous lui avez offert à lui pour les avoir venus. Non, pas du tout. Mais là, ça se voit pas. Mais en fait, il est frisé comme un mouton. Ah, merci. Tu as raconté l'histoire. Alors, attendez, je suis pas sûr. Déjà, il faut qu'il nous donne une réponse. Ah. Donc, alors, le lisseur ou ? Ou la deuxième, ça serait... On était invité à une soirée déguisée avec des amis. Donc, une soirée Halloween. Et on était les deux seuls à être déguisés quand on est arrivé à la soirée, en fait. Donc, je pense que ça serait celle-là. Julia ? Je sors mon carton. C'était hier. C'était la soirée des fruits exotiques. C'était la soirée des fruits exotiques. J'ai beaucoup c'était de mauvaises idées, apparemment. Les fruits exotiques, c'était hier ? C'était hier. Ah oui, d'accord. Il m'a dit, c'est vraiment la plus mauvaise idée que tu aies eue. En plus. Alors, je me suis dit, bah, ça tombe bien, cette question. Ah bah oui. Là, du coup, j'avoue. Samuel, alors ? Je dirais le jour où elle m'a rempli le coffre de la voiture de paille. Ouais. Mais pour quelle raison ? Alors, on est arrivé au moment de l'hiver et donc je lui envoie un petit message. J'étais au boulot, je lui envoie un petit message pour lui demander qu'elle me ramène de la paille. Ouais. Notre beau-frère est agriculteur et du coup, elle me renvoie. Qu'est-ce que vous vouliez faire de cette paille ? Alors, c'était pour pailler des petits arbustes que j'avais plantés. Ah, d'accord, ok. Et donc, elle m'envoie un message dans la journée avec le coffre, mais quand je vous dis rempli, c'est blindé. D'accord. Vraiment plein de paille. Et elle me remarque : tu en as assez ou tu en veux encore ? Il y a pas le tout quoi. Ouais. Elle me répond donc j'ai encore de la place devant. Ah oui, donc pour voilà. Conduire à côté d'une botte de paille. Au voilà, c'est ça. Mais elle m'a bien rempli le coffre de paille plein. D'accord. Voilà. On parle là-dessus ? On parle là-dessus, ouais. Julie. Et non. Et vous avez les carpes-coilles ? Bientôt, ouais, c'est en cours. Ouais. Mais ouais. Ça coûte cher, non, les carpes-coilles ? Une bonne quarantaine d'euros la carpe. Ah ouais.
Ils vont aimer ça, les chats, je peux vous dire. Ouais, c'est ça, ouais. Là, vous avez intérêt à avoir une bonne carpe bleue. C'est ça, ouais. Eric. Ah, moi, c'est pareil, j'ai une petite hésitation, mais vu que ma chérie me fait souvent des super idées, souvent, je dirais qu'un jour, donc elle nous dit on va faire un petit carnaval en Saône-et-Loire. Ouais. Tu verras, c'est super sympa, tout le monde est déguisé, c'est génial, donc on y va, bien sûr. Elle me trouve un joli déguisement de poulet, hein, de la tête aux pieds. Donc on se change tout et on arrive au carnaval. Et bien sûr, il y avait que moi déguisé. Donc, donc je me suis fait attraper par tous les gamins du truc qui voulaient tirer sur les... Bref, voilà. Je me suis retrouvé un des seuls à être déguisé. C'est bien. Hors c'est carnaval, bien sûr. Hors défilé, au milieu du public. Le bourguignon après. Le bourguignon, on va éviter. Disons que j'ai plutôt rasé les murs. Caroline, en effet, elle nous a parlé de cette... sortie déguisée en poulet. Samuel, votre chérie vous demande si vous accepteriez qu'elle emprunte 5000 euros via le compte joint pour financer son projet de lifting. Quelle est votre réaction? Vous refusez, s'endetter pour jouer les bimbos, hors de question. Vous tergiversez, on avait dit que cet hiver on changeait la chaudière. Ou alors vous la narguez, ouais, bah, profitez-en pour faire une liposuction aussi du coup. Sans hésiter, la première question. La première réponse, vous refusez? Ouais, je refuse, ouais. Vous êtes comment? C'est quoi votre rapport à l'argent, Samuel? Ah, je suis un peu une pince. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Alors attendez, c'est quoi la phrase que vous m'avez dit? Un doigt pivot, quatre doigts râteau. Un doigt pivot, quatre doigts râteau. Il faut que je m'en souvienne, Julie. En effet, elle nous a dit ouais, que vous étiez un peu près de vos sous. Le gars, il prête ses sous, mais il va mettre 40 balles dans un poisson pour un aquarium, quand même. Mais elles sont toutes petites, à 40 balles. En plus, quand elles font 50 cm, c'est 1000 balles. Ah. Mais il veut acheter lesquelles? Mais non, c'est pour les faire grandir. Pour les faire grandir. Oui, pour les revendre, peut-être. Eric. Oh, je la nargue. Vous la narguez, genre, ah, oui. Aussi une liposuction? Ouais, ouais, je lui dis, c'est sur la totale. Hein. Ouais. C'est ça. Oh Jeff, moi je refuse parce que je la trouve très bien comme elle est. Il est là le prince Herman. Ah oui, c'est d'autant plus fort que c'est exactement ce qu'elle nous a dit en solo tout à l'heure. Ah. Eric, troisième question, c'est pour vous. Quand elle est très en colère contre vous, Caroline, vous lui faites penser à qui? À Vercingétorix parce que vous luttez jusqu'à la capitulation? À Gandhi, vous plaidez pour la réconciliation, ou à Napoléon, vous vous exilez et quittez la maison? Oh, Gandhi. Sans Gandhi? Ouais, sans... Gandhi, je pense. En zénitude, Caroline, en zénitude, il est là, Eric. Entouré d'un drap blanc chauve, des petites lunettes rondes et un bâton. Faut être tranquille. Zen. Jeff. Moi, en Vercingétorix. Vercingétorix, vous luttez jusqu'à la capitulation? Moi, je lutte jusqu'à la capitulation, mais c'est elle qui reviendra en premier. Ouais. Ah, d'accord, c'est un mélange. Et ben elle. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu es toujours très silencieux. Ah oui, mais après, c'est toi qui reviens, c'est pas moi. Samuel. La deuxième à Gandhi. La deuxième? Ouais. À Gandhi? Ouais. Vous êtes zen, vous plaidez pour la réconciliation? Ouais, on va essayer, ouais. Oh, regardez. Elle a pas la tête de c'est la bonne réponse, hein. Ah oui. Il fait du boudin, Samuel? Non. Il dit rien. Julie, si, il fait la gueule un peu? Un petit peu, mais petit peu sans rien dire. Ça dépend pourquoi. Pour les carpes. 5 points pour les bleus, 5 points pour les jaunes et 20 points pour les rouges. Voilà où nous en sommes pour l'instant pour le score. Avant d'attaquer la manche 2 avec vous, messieurs, on parle des prochains castings des amours. Oui, Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse le 28 janvier. Pour les Lyonnais et les Bordelais, ce sera le 29 janvier. Et puis Paris, région parisienne, vous notez la date, 1er février. Et vous allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Jeff, est-ce que c'est vrai que vous avez fait une demande en fiançailles à votre chérie et qu'elle n'a pas compris en fait, ouais, que vous l'avez demandé en fiançailles? En fait, voilà, moi j'avais tout préparé à la maison, c'était le soir de la Saint-Valentin. Et j'avais tout préparé, des pétales de rose, un gros bouquet de fleurs, avec une petite lettre déposée sur le lit, avec, voilà, il n'y a pas de bague, mais veux-tu venir la chercher avec moi pour qu'elle te plaise, justement. Et moi, je m'étais caché, donc elle commence à rentrer du travail, elle rentre à l'intérieur, et finalement, je n'ai pas eu de réponse. Et 3-4 jours après, elle vient me voir et elle me dit, finalement,
Tu m'as demandé en mariage, c'est ça? Et en fait, elle n'avait pas compris sur le coup. Très bien. Mais le jour même, vous ne lui avez pas dit, vous lui avez pas non, dit non, moi, je m'attendais. Ouais, peut-être qu'elle allait réfléchir. Ou peut-être d'accord. Que c'était compris. Mais tu passes à côté. Non. Tiens, puisqu'on parle de Saint-Valentin, c'est dans un mois, la Saint-Valentin. On fera une émission spéciale dans les amours dans un mois. On vous a concocté un petit casting avec une famille. Voilà, je vous explique comment ça va se passer. On a une grand-mère qui va venir avec ses deux petites filles et leurs chéris respectifs. ce sera dans un mois sur France 2. Et à gagner, ce sera un petit séjour. En Guadeloupe, histoire de. Manquez pas le rendez-vous le 14 février. C'est noté. Éric, première question. À quelle occasion aurait-elle pu vous dire « J'ai comme l'impression que tu me prends pour une idiote, toi ». Non, c'est pas très souvent, faut dire. C'est vrai. Mais là, bah justement, pour le casting à Lyon, pour venir ici, on m'a dit qu'on pouvait venir avec des couples d'amis. Et moi, je lui ai proposé de venir avec mon ex et son copain. Donc, prends un peu pour une Attendez. Je précise que c'est une ex, on est en très bon rapport. D'accord. Il n'y a pas de souci, ils se connaissent, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'elle a dû. Je ne sais pas. Ouais. Pour moi, c'était normal, c'était sympa, quoi. Mais pour elle, un peu moins. Un peu moins. D'accord. C'est noté pour le casting des amours. Samuel. Je pense que c'est le jour où je lui ai offert 6 tonnes de cailloux pour son anniversaire, ses 30 ans. Alors, après la paille, les cailloux, ouais, comment ça se passe dans la famille? On est très nature, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. En fait, voilà, on fait des travaux à la maison. Et puis, en fait, la livraison des cailloux pour l'aller, c'est tombé malheureusement le jour de son anniversaire. Hein. À 8h du matin, le camion est arrivé, mais au coup de klaxon, je ne l'avais pas prévenu. Hein. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, voilà ton cadeau, au lieu de t'offrir un caillou, je t'offre 6 tonnes de cailloux. Pas mal. Donc elle a pris l'appel, le râteau, et puis on a démarré à 8h du matin. Bon, on a fait un petit repas quand même le soir pour marquer le coup quand même, mais bon, manque de bol, c'est tombé ce jour-là. D'accord. Et il y a cru. Bon, la livraison des cailloux, cela dit, c'est drôle, ça me fait rire. Jeff. Alors moi, la première fois qu'on allait manger ensemble, en fait, au restaurant, sa sœur lui a envoyé un message en lui disant que je l'avais liké sur un site de rencontre, en fait. Mais pourquoi vous aviez liké votre belle-sœur? En fait, on était en vacances avec plusieurs amis une semaine avant et on s'est dit, bah, on va liker plein de copies, plein de filles, comme ça, quand on remonte, bah, on va en voir plein. Et puis, ouais. Voilà. Bah... Mais vous étiez déjà avec votre chérie à l'époque? Non, c'était la première fois qu'on se voyait. Mais, ah, d'accord. Voilà, donc finalement, elle a fait le bon choix. Je suis avec... Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait le bon choix. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais on les connaît quand même, les garçons qui s'aiment aux quatre vents pour récupérer un peu à l'arrivée. Quoi. Bon, c'est pour tombé, ratisser large. C'est tombé sur Julia. Dans le râteau, c'est Samuel avec les cailloux. Mais les jardiniers. C'est ça. Deuxième question, Samuel. Ce soir, vous rentrez très tard et très fatigué du boulot et vous faites l'amour vite fait à votre femme. Lorsque vous lui dites « Désolé, c'était pas terrible », quelle est sa réaction? Elle vous rassure en disant bah, « Tu rigoles, c'était torride ». Ou alors, elle nuance, bon, disons que c'était rapide. Ou alors, elle vous achève. Ouais, bah, au moins, t'es lucide. Non, elle est conciliante. Je pense qu'elle me dit non, c'était bien. Elle dit non, c'était torride. C'était torride, ouais. Je pense que, elle vous rassure. Ouais, c'est ça, ouais. Elle vous rassure. Ouais. Jeff. Elle vous rassure, elle nuance ou elle vous achève? Je pense qu'elle me nuance. Elle nuance, disons que c'était rapide. C'est ça, quand même me caresser un petit peu pour... pour que je sois confiant pour les prochaines fois. On ne rentre pas dans les détails. Hein. C'est ça. Elle me caresse un petit peu... Dans le sens du poil, je veux oui. dire. Oui, voilà. Alors dans le sens du poil, mais c'est au sens figuré, c'est une image. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Et vous, Eric? Moi, je pense qu'elle va nuancer. C'était la elle nuance. Disons que c'était rapide. Ouais, c'est... Il faudrait faire un mélange des trois. Pour... Ah, ouais, ouais. Je peux pas vous mélanger les trois, non, mon bon ouais, monsieur. Ouais, on va partir là-dessus. Ouais, elle nuance pense, ouais, ouais, je pense qu'elle va. Ouais. C'est un peu rapide, mais bon, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la qualité. Évidemment. On est bien d'accord. Troisième question, Jeff, et c'est la question bonus. Votre femme, vous direz qu'elle est plutôt du genre pom-pom girl, working girl ou Gossip Girl? Gossip Girl, c'est elle aime bien les potins, les petits cancans. Je dirais elle est bien Gossip Girl. Elle est Gossip Girl? Ouais, ouais. Elle aime bien ouais, pitcher? Ouais, c'est ça, elle parle beaucoup, donc ouais. D'accord. On part sur ça. Eric? Non, c'est une Working Girl.
Girl, girl. Ouais, ouais, girl, non. J'ai pas fait beaucoup d'anglais. Non, bah, oh, bah, et ça se voit pas du tout, hein, vraiment. Working girl, c'est que c'est une bosseuse. Ah ouais, ouais. Très bien. Ah, ouais, ouais. Samuel. Elle aime bien les cancans. Elle aime bien les cancans. Ah, ouais, elle aime bien. Ouais. Gossip girl. Ouais, 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 à fond. Bon, et ben bah, vos girls reviennent. Julia, à quelle occasion auriez-vous pu dire à Jeff, j'ai comme l'impression que tu me prends pour une idiote? Alors, moi, je pensais à l'affaire de la voiture. L'affaire de la voiture. Regardez-moi, ça se passe ici. C'est quoi cette affaire de la voiture? C'est au tout début où on était ensemble. En fait, il avait une vieille voiture. Parce qu'en fait, il s'était fait prendre sa belle voiture. Parce qu'il ne l'avait pas payée. D'accord. Du coup, j'étais pas du tout au courant jusqu'à ce qu'un ami commun nous m'en parle. Eh bien, Julia, c'est pas de ça dont il nous a parlé. Il nous a parlé de l'histoire avec la frangine. C'était l'affaire du restaurant. Avec ta sœur, moi, je pensais que t'allais dire ça, en fait. Que bah, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu te rappelles? Ah. Oui, quand même. Avec ta sœur, bah, que j'avais liké sur un site de rencontre. Ah oui. Je pensais que c'était là. Non. C'était sympa aussi. C'était sympa aussi. Ça a bien commencé entre nous. Oui, ouais, c'était pas mal. Ouais. Ça, plus l'histoire de la bagnole. On est sur un festival. Julie. Oui. Alors. Moi, je penserais le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de notre anniversaire? Il m'a réveillée à 8h du matin. Oui. Pour mes 30 ans. Pour me dire qu'il y avait 6 tonnes de cailloux qui arrivaient. Et alors, vous étiez ravis? Super. Bah, au lieu d'avoir un caillou, vous en avez eu 6 tonnes. Bah oui. Eh ben c'est magnifique, regardez, en plus c'est la bonne réponse. Ouais. À votre place, je commencerai à appréhender mes 40 ans. C'est dans combien de temps les 40 ans? Je le dis pas. Ah bon, très bien. Bah, en tout cas, appréhendez un peu quand même. Caroline, est-ce qu'on a le droit à un petit cri de cochon avant votre réponse? Ah, c'est t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. De quoi elle a pas fait ça? Bah, j'ai appris qu'elle avait participé au concours de cris de cochon déguisé en cochon. Ah. Alors allons-y, hop, regardez, je regarde même pas pour voir, pour me faire une idée. Ah là là, c'est quand même dommage de s'inscrire à une émission de télévision pour aller arriver faire le cri de cochon à une heure de grande écoute sur France 2. Bonjour. Merci de votre compréhension. Bon, Caroline, alors, à quelle occasion vous auriez pu lui dire « J'ai comme l'impression que tu me prends pour une idiote ». Bah, peut-être, quand je lui ai dit qu'on venait aux amours, on nous dit « Bon, vous pouvez venir avec des amis, avec des collègues, tout ça ». Et puis, il a eu la bonne idée. Il te propose à une ex de venir avec une ex. Alors, je dis « C'est quand même c'est extraordinaire, mais voilà, il aime bien les femmes. Et puis, il pensait que comme ça pouvait être sympa ». D'accord. Moi, je trouvais pas que c'était la meilleure des idées, mais... Oh, bah, ça fait... c'est tendu un peu, hein. on va pas se mentir. Ouais, donc peut-être que ouais, ça pourrait être ça, éventuellement. Eh bah, vous savez quoi? C'est exactement ça. Et pour l'instant, vous êtes en tête. Deuxième question, Julie. Ce soir, votre chéri rentre très tard et très fatigué du boulot et il vous fait un câlin, mais alors, vite fait. Lorsqu'il vous dit « Désolé, ce n'est pas terrible », vous allez réagir comment, Julie? Vous allez nuancer en disant « Ouais, bon, bah, disons que c'était rapide ». Vous allez le rassurer en disant bah, « Tu rigoles, c'était torride ». Ou alors vous allez l'achever. « Ouais, bah, au moins, tu es lucide ». Je suis terre à terre, je pense que je lui dirais qu'il est lucide. Ah, vous l'achevez donc? Oui. Bah, au moins, tu es lucide. Ouais. Voilà, Samuel Esbim. Ah ouais. Ah ouais. Je refais les deux. Ah, les deux? Ouais. Vous le rassurez, après vous dites, ouais, t'as raison, c'est nul. Ouais. Ouais. Très bien. Caresse et après... Voilà, Caroline. Oh, bah, moi, je dirais que c'est toujours torride, voilà. En toutes circonstances. On apprend des choses chez vous. C'est sympa. Eric, il n'est pas parti sur le rassurer, lui. Oh. Vous auriez dit, bon, disons que c'était rapide, quoi. Ouais. Non, mais je le saurais pas la prochaine fois. Et Julia? Je vais nuancer. Jeff. C'est une bonne réponse. Un point sur les scores. 10 pour les bleus, 15 pour les jaunes et 30 pour les rouges. Voici le score avant la question bonus qui arrive après ça.
Julia, la question bonus vaut 15 points. Votre chérie dirait de vous que vous êtes plutôt du genre gossip girl, working girl ou pom-pom girl? Working girl. Working girl, vous êtes une bosseuse. Jeff, quand ça veut pas... Quoi? Tu parles beaucoup quand même. Mais n'importe quoi. Et je bosse pas beaucoup peut-être? Oui, mais tu parles plus. C'est vrai que vous aimez bien les potins, Julien? Oh, pas du tout. Mais quoi? Tu me racontes toujours tout? Oui, je te raconte ma journée. Oh bah, tu me racontes tous les jours ta journée, moi je te raconte tous les jours ma journée aussi. Donc? Et je travaille tous les jours. Oh bah, ça comme tout le monde. Et voilà. Bon, alors on va pas se mentir, du coup, avec 10 points, au revoir la finale. Au revoir. Ça craint. Julie. Gossip. Gossip Girl, vous aimez bien les petits potins? Oui. Oui. Avec les copines. Avec les copines. Autour d'un thé. Bah, bien sûr. Samuel. Ouais. Caroline, ça va se jouer avec vous? Eh oui, quelle pression. Regardez-moi. Pom-pom girl. Pom-pom girl. Donnez-moi un A. Ah ouais, j'ai hésité. Ah bah tu bosses pas, ouais. Non mais j'ai hésité, j'ai une grosse hésitation. Ouais. Bon, ça veut dire quoi, ma chérie? Tiens, prends ton carton dans la main. Ah ouais. Ça veut dire que vous êtes à égalité, les jaunes et les rouges, et que dans ces cas-là, il va falloir vous départager avec ce score que nous vous avions demandé de prévoir en début d'émission. À ce moment-là de la partie, on dit, tiens, vous pensez être à combien? On va demander à Eric et à Samuel de sortir en même temps leur petit panneau, s'il vous plaît, pour qu'on voit le score que vous aviez prévu. Les jaunes avaient prévu 20 points, et avec 30 points, c'est pile poil. Caroline, vous êtes avec Eric, les amours du jour. Jeff, Julia, Julie, Samuel, merci d'être venus ce matin. Voici votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son valet ticket et sa sortie. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Caroline, Eric, c'est un séjour au sport d'hiver pour 4 personnes que vous pouvez gagner ce matin. Ça dépend plus que de vous. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts. Yes. Eric, Caroline, connaît-elle Top, votre parfum de yaourt préféré? Oui. La vanille. Votre poids? Oui. 85. Stop. Caroline, détendez-vous. D'accord. 85. Et Caroline, regardez-moi. Oh, alors, c'est 80 kilos, voilà, et pas 85. Et le yaourt préféré, c'était Nature. Citron. Commence bien. On prend sa respiration, Caroline, on y retourne. Eric, Caroline connaît-elle Top, le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. C'était vendredi, c'était... Faut que je retrouve le nom. Quelle pression. Gaëtan Roussel. Votre objet fétiche? Oui. Ça vous... Il y a le temps qui défile. Hein. Les boules de pétanque. Stop. Les amis, nous sommes en train d'assister à un naufrage télévisuel. Il y a quand même un voyage au ski pour 4 personnes. On ira manger. Ah bah là, 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 comme c'est parti, vous restez au pied de la montagne. On est à combien, Pascal? Eh bien là, pour l'instant, on est à une seule bonne réponse. Il reste 18 secondes pour nous en donner 6. Allez. Hey. Caroline, comme au concours du cri de cochon. Allez, on y croit. Eric, Caroline connaît-elle Top, le sport que vous détesteriez pratiquer? Non. Votre animal sauvage préféré? Oui. La pierre précieuse que vous préférez? Non. Votre équipe de foot favorite? Oui. L'OL. Le nombre de lessives que vous faites par semaine? Non. Le nom du professeur que vous avez préféré? Non. Ah bah oui, mais là, là, un moment... On est désolé, hein, désolé. Bah là, un moment, voilà. Allez, vous gagnez ce cadeau, regardez. Elle a craqué. Caroline et Eric, vous partez au château de Cheverny, en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française.
c'est les nerfs. Qu'est-ce qui vous arrive? La pression. Alors, des fois on pleure de joie, là on pleure de rire, mais c'est bien, ça fait plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Exactement, ça n'est qu'un jeu et vous le retrouvez tous les matins. 11h20 sur France 2, puisqu'on parle de jeu, tout de suite c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, France.tv.